so tozana bala o ba bengi ngumba la la. Tomate na ngamba na litungu nanga na ai na ndimbi na masuka nanga bila kumbo nanga ezana ba legume o na rutana kati azana tomate nguma namba nikite yango awa sikoyo ekomi yako nika masima niki yango na mashi mboloko na ngai yango Mtumba wa menda ndekela niweyo Mwana wa menda uchinekedi Wa menda wachabu ndekela nindala panshi Mtumba wa menda ndekela niweyo Mwana wa menda uchinekedi Wa menda wachabu ndekela nindala panshi Wa menda wachabu, wa menda wachabu, wa menda wachabu Menda wachabu Katwa atwa rutu atwa bishi Mtumba wa menda ndekela niweyo Mwana wa menda uchinekedi Wa menda wachabu ndekela nindala panshi Kai kaye Kitupengele mulwe Mishikako bola ye Au menu ce jour, c'est le kabéou. Kabéou mais composé de la poitrine de chèvre, de lumba lumba ou chilwa bueni, ou encore feuilles de basilic africaine. L'utilisation de ces feuilles est facultative. Pour cuisiner notre plat de kabéou, nous aurons besoin de poitrine de bœuf, de poitrine de chèvre, voulais-je dire. Nous aurons besoin de tomates fraîches, de piments frais, jaunes oignons, oignons, noix de muscade, un filet d'huile. Ce sera tout pour les ingrédients. À vos stylos, à vos calepins, on s'embarque en cuisine. Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en RDC dans le Grand Kasaï, où nous allons découvrir et cuisiner avec vous le kabéou. Qu'est-ce que le kabéou ? Le kabéou est cette partie de la poitrine de la chèvre, très prisée de nos parents kassaïens. Nous allons cuisiner cette viande de kabéou avec du chilwa bueni, qu'on appelle en lingala lumba lumba, ou encore mantusu au Congo-Brazzaville. Et en français, c'est la basilique africaine. À vos blocs-notes, à vos stylos, on se retrouve tout de suite en cuisine. Pour préparer notre kabéou, nous aurons besoin de kabéou donc. La poitrine de chèvre, vous voyez là, il y a même les abats. Je ne vais pas utiliser les abats, vous voyez là, il y a le foie. Il y a les poumons, le cœur et tout qu'on sort. Je ne vais pas utiliser les abats pour notre recette. Je vais juste utiliser la poitrine. Nous aurons besoin d'un peu d'huile. Nous aurons besoin de jaunes oignons, d'ail, le chilwa bueni, lumba lumba ou encore basilic africain. Nous aurons besoin de tomates fraîches. Nous aurons besoin d'un peu de noix de muscade et de piment frais. Pour commencer, j'ai d'abord brûlé tous les poils de cette partie de ma chèvre, donc de la poitrine. J'ai brûlé et j'ai raclé à l'aide d'un couteau. J'ai bien gratté. Maintenant, je vais nettoyer ma viande avec de l'eau tiède. Voilà, je verse de l'eau chaude, de l'eau tiède
sur la poitrine de chèvre. Je vais bien nettoyer pour enlever les mucosités et essayer de réduire l'odeur. Une fois bien nettoyé, je vais découper en morceaux. Dans un premier temps, je découpe les morceaux de viande assez grossièrement. Vous voyez que j'ai fait de très gros et bien gros morceaux. Je vais d'abord les faire bouillir. Et puis, je vais découper pour une seconde fois, là où je vais réduire sensiblement la dimension de mes morceaux. La peau de la chèvre est assez dure, donc nous mettrons assez d'eau pour permettre à ce qu'elle puisse se ramollir. Là, je vais ajouter du sel et je vais laisser bouillir. Je n'ai pas mis d'oignon, je n'ai pas mis d'autres épices ou condiments parce que l'eau ou le jus de cette viande risque d'être d'une couleur brunâtre ou noirâtre, ce que je ne souhaite pas pour notre sauce. Donc, je ne vais pas utiliser ce jus-là. Je vais d'abord bouillir simplement avec du sel et de l'eau. Vous voyez comment ça boue, comment ça écume. Vous voyez la couleur de l'écume et de l'eau. C'est ça qu'on va changer. Donc, on va encore nettoyer une seconde fois et découper en plus fines tranches pour avoir des bien petits et jolis morceaux pour préparer notre sauce. Pendant ce temps, je vais écraser de l'ail. Je vais épiler aussi la tomate et préparer nos feuilles de basilic pour la suite de notre recette. Je râpe un peu de noix de muscade. Voilà, dans ce petit mortier, j'ai écrasé de l'ail, de la tomate fraîche et j'ai râpé un peu de noix de muscade. Encore une fois, bienvenue dans notre cuisine où nous vous proposons notre recette de cabéou aujourd'hui. Après avoir nettoyé encore pour la seconde fois et découpé en petits morceaux, notre viande de poitrine de chèvre ou cabéou, nous l'avons remise sur le feu. Donc là, nous allons ajouter des oignons et des jeunes oignons. La tomate fraîche ainsi que l'ail écrasé et la noix de muscade râpée. Nous allons laisser mijoter. N'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de vous abonner à la page pour ne manquer aucun numéro. J'ajoute un filet d'huile. J'en mets juste un peu vu que la partie que nous utilisons, le cabéou ou la poitrine de chèvre, est une partie qui généralement est un peu grasse. Il ne faudrait pas qu'on ait une surcharge en matière grasse. Le lumba lumba, chilwa bweni, mansusu ou encore basilic africain est utilisé dans la cuisine congolaise ou cuisine kasaïenne comme exhausteur de goût et comme légumes, parce qu'on l'utilise souvent dans la préparation de poulet, de certaines viandes, à l'instar de la viande de frais, de chèvre, comme nous l'utilisons aujourd'hui dans notre plat de cabéou. Pour le cabéou, l'utilisation du lumba lumba ou de la basilic africaine est facultatif. Il sert aussi à édulcorer ou atténuer l'odeur trop forte de la viande de chèvre, surtout lorsqu'on utilise le bouc. Généralement, je conseille à ceux que les dames, les cuisiniers, les cuisinières utilisent la viande de chèvre qui est moins odorante que la viande de bouc. Le lumba lumba ou basilic africain, encore appelé mansusu,
Cette aide aussi dans la guérison, dans le traitement des maladies comme la sinusite, comme la bronchite, la toux. Il suffit d'empiler quelques feuilles, d'extraire le jus, le mélanger à un peu de sel et d'huile de palme, l'avaler et nous avons le pouvoir ou la capacité de réduire, sinon d'éteindre toute toux, surtout bronchiolique. Mutumba wa menda ndekela niweyo Mwana wa menda uchinekedi wa menda wa chabu ndekela ninda la panchi. Après avoir nettoyé et enlevé la nervure centrale de nos feuilles de basilic africaine ou de notre lumba lumba le chilwa bweni, nous l'avons déchiré en morceaux et nous allons ajouter dans notre marmite de kabeu. La quantité dépend de tout un chacun. L'utilisation reste facultative. Moi, je n'aime pas trop. Je mets juste pour parfumer. Pour ceux qui considèrent que c'est un légume, vous pouvez mettre la quantité que vous souhaitez. Je vais recouvrir ma marmite et laisser à nouveau mijoter jusqu'à cuisson. On ajoute un peu de piment frais. Voyez-moi la couleur de notre sauce. Notre sauce est un peu liquide parce que le kabeu est le repas préféré, sinon favori, des personnes qui aiment l'alcool. Donc il peut se consommer autour d'un verre de bière, un verre de vin, comme à bakwit. Comme on dit chez nous, on est ADC. Donc pour casser un peu l'effet de l'alcool, pour ne pas trop sentir qu'on est sous. Il se consomme aussi en famille, dans les grandes occasions. C'est un repas qu'on offre à sa belle famille, chez les Kassaïens. Quand on reçoit sa belle famille ou quand on veut leur apporter à manger, le kabeu fera que nous soyons très appréciés de la belle famille, des amis de notre époux. Voilà, regardez-moi cette belle couleur, cette belle sauce. Nous allons laisser réduire encore quelques minutes. Et nous allons passer au service pour la dégustation. Kayamba we, kayamba yo 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 we yo 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 we yo kayamba mu. Voilà notre kabeu qui est prêt. Le kabeu ou poitrine de chèvre. Ce plat, très prisé de nos parents kassaïens, se consomme avec le chima, c'est-à-dire fufu à base de maïs, le bukula bwanseka, le chima milale, le badivé, le mukapara, la boule nationale, comme on aime le dire en RDC. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette recette. J'espère que vous avez aimé et que vous l'introduirez dans votre carnet de recettes. Cela pour le grand bonheur et le plaisir de votre famille, de vos invités et pourquoi pas de vous-même. Je vous invite donc à liker, à commenter et à vous abonner à la page pour ne manquer aucun numéro. D'ici là, portez-vous bien. Regardez-moi la belle couleur. J'ai beaucoup de peine à vous quitter cet après-midi, mais je dois savourer mon plat, ce délicieux mets de kabeu. Je vous dis au revoir, Shalai Biakane.
Ntumba wa menda ndekela niweyo. Mwana wa menda uchinekedi, wa menda wachabu ndekela nindala panshi. Ntumba wa menda ndekela niweyo. Mwana wa menda uchinekedi, wa menda wachabu ndekela nindala panshi. Wa menda wachabu, wa menda wachabu, wa menda wachabu, menda wachabu. Katwa atwa rutwa atwa bishi, ntumba wa menda ndekela niweyo. Mwana wa menda uchinekedi, wa menda wachabu ndekela nindala panshi. Kai kaye, kitupengele mulwe, mishika kobolaye, Et Sagevan vous propose nos poissons du terroir qui grandissent et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ma papa, ma maman, bandeko, bo lembate, bo sombanzombo, mongusu, bambisi, oyo, ma papa, la bango, na maman, la bango, azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pour na ba commande, pour na koye ba talo, pe pour na koye ba esikani mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Gouh!